On l'a connu pour des chansons telles que Il neige pas, Crève salope, Une dame qui pourrait être un monsieur, ou bien même Quand c'est mal, c'est pas bien. Quand c'est mal, c'est pas bien. Quand c'est bien, c'est pas mal. Quand c'est... Eh bien, Parlez-moi d'amour revient avec un premier album intitulé Pour tous, un album à l'image de votre manteau. Oui, alors, comme vous le disiez, oui, doux, un peu voyant. En fait, il faut porter nu ce manteau pour comprendre toute l'envergure du projet de ce disque. Après trois chansons, quand on le porte nu, il y a un moment, forcément, ça pique, ça gratte, c'est la sueur, quoi. Hein? C'est le live, en fait. C'est l'avantage. Et alors, ça le fait pour tous, hein? Pour tout le monde. D'où le titre de cet album, forcément. Parlez-moi d'amour pour tous. Merci, Parlez-moi d'amour, qui revient donc avec un premier album en CD, album intitulé Pour tous, il sort sur le label La Cervelle. Le plus simple pour en connaître les secrets de fabrication était d'aller déranger le producteur en plein travail. Oui, à la Cervelle, c'est un travail collectif, c'est une association, c'est un label associatif avec une passion. Tout ce qui est home studio, tout ce qui est parole en français, Cervelle, ça marche, c'est quelque chose qui nous touche vraiment. Autant dire qu'avec Parlez-moi d'amour, on est servi. Hein. Vous vous souvenez de ces disques-là? Voilà. Alors, voilà. Ça, c'était la trilogie à l'époque, hein, en vinyle. Nous, ce qui nous intéresse à la Cervelle, c'est l'objet. L'objet, et donc là, on va avoir un superbe digisleeve, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un petit peu à une pochette de vinyle double, vous voyez, comme ça, qui s'ouvre en carton, et à l'intérieur, clac, le disque glissé, autant dire aussi que enregistré, mixé à la maison, il y en aura vraiment pour tout le monde. C'est d'où le titre, sans doute. PMA pour tous. Bon, bien entendu, tout ça, ça coûte des sous. Hein. Des sous pour la fabrication du Digisleeve, le fameux. Hein. La fabrication des affiches, la fabrication des stickers, les droits, la promotion, la promo sur les réseaux sociaux, la promotion physique aussi, envoi aux journalistes, des frais d'envoi. Et puis avec la commission Ulule aussi, bah ça nous fait bon an mal an, un total de 2000 balles. Il y a besoin. La thune, ça compte, on l'aura compris, monsieur le producteur, mais bien entendu, c'est le plaisir qui prime dans la sortie d'un album, et ça, les fans l'ont compris, hein. Un nouvel album de Parlez-moi d'amour. PMA, mais pour la vie! Pour tous! Ça s'appelle Pour tous! Bah, moi je prends, j'ai déjà la trilogie vinyle, c'est 3,45 tours quoi! Ça fait déjà 12 chansons! Et ben, si en plus il y a un album avec 12 chansons ou plus, ah, moi je prends, hein, à tout de suite, hein! Je sais que c'est que du bon, alors pour être. Je suis allé voir en concert, à chaque fois, tous les concerts de Parlez-moi d'amour, je les ai vus, moi, monsieur. Ouais, tous, je les ai vus. Le nouveau sticker, l'affiche, le disque pour 25 balles, ça, c'est de la contrepartie. Je vais peut-être mettre de côté un peu mon RSA, parce que je me dis, je pourrais peut-être aussi inviter Parlez-moi d'amour à jouer chez moi, ça serait bien, parce que si je mets 250 balles de contrepartie, d'un seul coup, j'ai tout ça, le disque, la pochette, l'affiche, le sticker, les nouveaux stickers, les vieux disques et tout. Et un concert à la maison. Ça rigole plus chez PMA. Non, mais c'est carrément de la grosse industrie, est-ce que je vois. Tiens, si c'était que ça, je remettrais bien un autre sticker, tiens. Là, comme ça, là. Ça, c'est PMA pour toujours, hein. PMA pour tous. On l'aura compris, Parlez-moi d'amour, un premier album, c'est un événement. Un album intitulé Pour tous, PMA pour tous, pour vous. Oui, pour vous, parce que vous allez contribuer, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que 25 balles, finalement, pour tant de plaisir? 25 balles pour un plaisir partagé pour tous. PMA pour tous, c'est pour bientôt.